Bonjour à tous, c'est Ludovic Bezeron. Comment allez-vous en cette belle journée? Eh bien, j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches, et puis que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce 14e épisode de notre série intitulée « L'optimiste sait ». Alors, avant toute chose, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, eh bien, faites-le. Ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir et puis aussi de ne rien manquer de ce programme. Dernière chose, si vous aimez, eh bien je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas, à disliker. Aujourd'hui, comme vous l'indique le titre de cet épisode, nous allons parler de la capitale alsacienne, c'est-à-dire Strasbourg ou la Renaissance de Babylone. Tout est dit, ou presque, dans cette phrase, mais je vais tout vous expliquer sur les raisons qui me poussent à comparer ces deux villes. Pour tout savoir, venez avec moi. La tour qui se trouve juste ici, la tour du Parlement européen à Strasbourg, est-elle le signe de la Renaissance de la Babylone, comme nous avons pu le voir lors de l'épisode précédent? Pendant que nous prenions des vues du Parlement européen, j'ai demandé à une journaliste native de Strasbourg si elle comprenait la signification de cette tour. Effectivement, elle m'a confirmé comprendre l'idée architecturale de ce bâtiment, mais également que les membres du Parlement européen comprenaient eux aussi ce que ce bâtiment représente, la Babel de la Bible. Mais alors, le but de l'Union européenne ne serait-il pas de terminer ce que Nemrod et tous les gens rassemblés n'ont pas réussi à accomplir il y a plus de 3500 ans? Et puis, que devons-nous comprendre par accomplir? Que voulait-il finir? La tour? Cette représentation de Babel, c'est-à-dire la puissance d'un peuple qui, en adoptant le péché comme un style de vie normal, s'unit dans sa rébellion totale et définitive contre Dieu. Cet édifice du Parlement européen n'est-il donc pas, à son tour, le symbole de l'orgueil de l'homme et de sa rébellion contre Dieu? Est-ce le lieu prophétisé par la Bible que Dieu devrait finalement détruire à cause du péché des hommes? Une tour de verre et d'acier, un temple moderne, symbole de l'union d'un peuple qui, au XXIe siècle, s'unit d'une seule voix pour dire « Dieu est mort, créons nos propres dieux ». Je veux vous montrer ce que vous avez ici à Strasbourg. Une tour droite érigée vers le ciel comme une espèce de cylindre et recouverte d'un genre d'échafaudage. Des cercles qui entourent le bâtiment veulent représenter ou être une imitation des échafaudages sur un bâtiment inachevé. Pourtant, celle-ci est non seulement achevée, mais il sert également au pays des membres depuis plus de 20 ans sur la scène internationale. Aussi, cette tour est un rappel du tableau du peintre Bruegel, qui représente la tour de Babel, qui a été construite de façon à représenter un édifice non terminé. En d'autres termes, cela ne fait aucun doute que l'intention est d'évoquer la tour inachevée de Babel, Babylone. Et pourtant, il s'agit bien du Parlement européen à Strasbourg. Ce n'est pas Babylone, c'est Strasbourg dans l'Union européenne, le symbole de l'orgueil de l'homme et de sa rébellion contre Dieu.
Alors s'agit-il d'une construction isolée, involontaire ou d'un édifice artistique? S'agit-il de circonstances hasardeuses, d'actions revendiquées par une minorité de dirigeants malveillants ou d'un plan machiavélique sagement orchestré par je ne sais quel groupement aux ambitions macabres? Si tel est le cas, qui sont-ils? Que pouvons-nous faire pour éviter le pire? Le temps qui s'écoule joue-t-il en notre faveur? Vivons-nous la fin d'un cycle ou sommes-nous arrivés, comme semblent nous l'indiquer les écritures prophétiques, à la fin du monde? Toutes ces questions demandent des réponses et méritent des explications précises. Et je crois que pour la plupart d'entre elles, vous pouvez y répondre en fonction de vos propres références, de votre éducation ou même de vos croyances. Mais quoi qu'il en soit, je suis certain que vous commencez par comprendre le rapport établi entre l'Europe et Babylone et le symbole que celui-ci représente. Et en continuant dans cette voie, quand vous verrez Babylone en Allemagne, tout deviendra plus clair. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire prochainement à travers un nouvel épisode de notre série « L'optimiste sait ».